Salut tout le monde, c'est Inuchi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de The Legend of Zelda Link to the Past. Voilà. La dernière fois on avait sauvé la princesse, tout ça, et on devait se rendre là. Voilà, tout simplement. Ce qu'on va faire tout de suite, pour ne pas perdre de temps. On voit la belle musique. Hop, c'est ici. Bonjour. J'ai bu, eh bien, je ne me rappelle pas très bien, mais il y a longtemps, un peuple prospère connu sous le nom des Iliens habitait cette terre. Les légendes parlent de nombreux trésors que les Iliens auraient cachés sur tout le territoire. L'épée Excalibur, dont la lame toute puissante avait été forgée pour vaincre de diaboliques ennemis, en fait partie. On dit que maintenant, elle repose en fond de la forêt. Tu crois les gens? De toute façon, cherche l'ancien. Il doit bien y avoir quelqu'un au village qui sache où le trouver. Pardon. Sois très prudent maintenant, Inuchi. T'inquiète. Je suis toujours prudent, moi. Wesh. Elle allait me dire, mais dans ce cas-là, faut chercher où? On a aucune piste, en vrai. Comment s'appelle leur chef? Oui, il s'appelle l'aveugle de la lumière fiche. Un foie garde. Alors. Si. Voilà. Comment avoir tous les coffres d'un coup? Comment on est sûr d'avoir 4 coffres? Ah, vous allez me demander, mais il y a quoi ici? On peut pas y aller, on n'a pas les bombes. Ah, c'est pas pour personne, il y a les bombes au-dessus. Et les flèches. Ils nous spoilent certains objets dès le début du jeu. Ils sont forts. Alors oui, j'essaierai d'avoir les 4... Enfin, l'épée de légende au maximum. Légende, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Hein. C'est comme ça qu'elle est censée s'appeler, mais moi j'ai toujours appelé Excalibur. Déjà, hop, et on recule. Voilà. Pas mal. Oh, quart de cœur. Cool ça. Cool les cartes. On essaiera d'avoir le plus de cœur possible pour la fin du jeu, par contre. Parce que je vous le dis tout de suite, on en aura besoin. Du jeu, elle est pas tendre avec nous. Salut. C'est comment avez-vous pu vivre? Ouais. Je te le prends. Voilà. On va faire les choses au fur et à mesure. Et comment un gamin allait voir? Je sais plus dans quelle maison. C'est pas celle-là. Cette cruche, elle est passée à côté de moi, elle me voit même pas. Quoi ici? Je vais dire toi. Inuchi, désolé pour mon gazon, il est un peu trop long. Merci de me rendre visite. J'ai hâte de pouvoir parler à quelqu'un. Je vais te dire quelque chose. Intéressant, il y a un lac où nage Zora à la source de la rivière, mais il est difficile à trouver. Le trésor de Zora peut transformer les gens en poissons. Intéressant. Info à garder encore une fois. Alors. Là, on va passer par derrière. Parce que là, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Le deuxième. Ouais, on a déjà deux pots dès le début du jeu, c'est parfait. Dès le début du jeu, d'avoir deux pots, c'est bien. C'est vraiment très bien. Je tiens à le dire. Ça sert à rien de leur parler, ils ont rien d'intéressant à dire. Oh. Ouais, désolé, j'ai pas assez. Salut toi. Ancien, tu parles du grand-père? Oui, mais ne le dis pas aux méchants. Il se cache dans le palais de l'Est. Je t'indique l'endroit sur ton parent. Voilà, il est tout là-bas.
Il reste plus qu'à aller chercher. Ah, voilà le mec. C'est toi que je voulais voir. Je peux pas sortir, je suis malade. Atchoum. Atchoum. On m'a dit que c'est l'air diabolique de la montagne qui m'a donné ce rhume maléfique. Sniff, sniff. Voici mon filet papillon. Je pensais y arriver quand j'irai mieux. Et maintenant, je te le prête. Nickel. J'ai emprunté le filet papillon. Il pourra aussi te servir à attraper d'autres choses. Du style des fées, par exemple. On peut attraper pas mal de trucs différents. Bref, c'est parti. On va pas tarder, on va y aller tout de suite. Non. Pas par là. Autant pour moi, c'est au sud. Hop. Oui, si on peut le prendre. On s'en fout pour l'instant. On l'a. Ah! Fait mal ce con. On va pas traîner. Est-ce qu'il vient de passer devant moi sans me remarquer? Il est stupide. Faut croire. Bon. Oh, c'est malin. Vous pouvez avoir plein de rubis faciles. Nul. L'épée de base, elle est nulle, je trouve. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir Excalibur sur. Ça veut dire pourquoi elle s'appelle Excalibur, l'épée là? C'est en fait. Je l'ai. Si je ne me cours pas, en fait. Excalibur, en fait, c'est une erreur. Elle est censée s'appeler l'épée de légende dans tous les Zelda. Mais. Faut croire qu'au début. Les traductions n'étaient pas énormes. Hein. Oh, yo. Juste au-dessus. J'en ai dit, on va devoir se taper le temple. Hein. Ça, je vous dis. Alors, je suis bien. Charachala, l'ancien du village est l'un des descendants de cette sage. Je suis surpris, Inoshi, qu'un jeune homme comme toi puisse chercher l'épée du diable. L'épée du diable? Il n'est pas donné à tout le monde d'utiliser cette lame, la légende transmise par les. Zilien dit que seul le héros qui aura les trois pendentifs pourra manier cette épée. Veux-tu vraiment la trouver? Bien sûr. Bien, à titre du premier test, peux-tu récupérer le pendentif de courage du pays de l'Est? Si tu me le rapportes, je t'en dirai plus sur la légende. Allez, va au palais. Bon bah go. Go le palais! Et on parlera pas bien sûr du palais en termes de goût, hein. Désolé, cette blague j'étais obligé de la faire. C'était tellement facile. Alors j'ignore si on va faire tout le palais directement, mais on va en faire une partie. Parce qu'ils sont longs les palais, il me semble. Je sais plus exactement, mais il me semble qu'ils sont un peu longs. Et dites-vous que dans ce Zelda, des game over, je vais m'en taper, hein. Allez, déjà, j'ai déjà plus qu'un cœur. Hein. Catastrophe. Ah, il est épais, on la voit en haut à gauche. J'ai chaud. Hop, voilà. Ah, ça va mieux. Voilà. Un cœur de plus. Yeah! Bon, go. Pays de l'Est. Comme vous pouvez constater, il y a deux côtés. Celui-là il sert à rien. Je sais plus si le côté. Le côté il sert à quelque chose. Il sert à rien non plus, d'accord. C'est vraiment juste au centre. Voilà. Bouge pas pendant quelques secondes, je sais pas si vous avez remarqué. Oh 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 oh. J'ai échappé belle. Bon. Sans rubis, ouais. On est déjà à 250 rubis, hein.
Et dites-vous que dans ce Zelda, les rubis, on va en avoir grandement besoin. Il déconne pas que les rubis dans ce Zelda. Bon, du coup, je crois que c'est gauche, je sais plus. Je me rappelle plus trop des temples dans ce Zelda. J'ai oublié que c'était chiant. Dégage. 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 Et. Dégage. Voilà. C'est rapide. La carte du donjon, je pense. Même pas. La boussole. Dis-moi, n'empêche. Ah. Si c'est moi. Ça sera là. Je peux te parler par télépathie. Quand tu touches cette dalle, voici un indice. Tu peux utiliser le trésor caché dans ce donjon pour vaincre les ennemis en armure. Or, les ennemis en armure, tu n'as pas besoin de l'objet du donjon pour forcément y vaincre. Mais ce sera beaucoup plus long. Et les voici. Allez, je vais monter. Ils sont possibles à vaincre. Ils sont juste beaucoup plus longs. Voilà. C'est juste beaucoup plus chiant. Et voici le fameux objet du donjon. On ne peut pas récupérer, bien sûr. Fermez la clé. Si tu avais la grande clé, tu peux y ouvrir. Voilà. Vous savez déjà ce que c'est la grande clé. Ah, punaise. Voilà. On va à droite maintenant. Voilà. Pas grand chose, on pense. On avance. On avance. Oh, je déteste. J'étais sur de salle. J'ai la clé. C'est uniquement ça qu'il nous fallait. Oui, je suis un peu fou dans ma tête. J'ai tenté de récupérer l'objet malgré tout. Enfin, le rubis. Le rubis, enfin, rubis, franchement, faut pas passer à côté. Hein. Mais oh. Le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas. Oh, c'est one shot. Je m'y attendais pas, ça par contre. D'accord. Et ça, c'est la grande clé. Nickel. On va pouvoir passer. Je me pose. Je suis pas allé à droite. Hein. Si je vais à droite, je suis pas allé en route. On va remonter. Ah, mais ça y fait revenir. Allez, dégage. Tu me gênes. Voilà, ça c'est fait. Voilà, à droite. À droite, je suis pas allé, il me semble. Et logiquement, la carte du donjon devrait y être. Alors. Effectivement, elle y est. Passer par au-dessus. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Je perds la carte. C'est mieux. Et on va enfin pouvoir aller. Oh, vous me direz, le donjon est quasiment fini déjà. C'est plus rapide que je l'imaginais. Je pensais que c'était long comme donjon. Mais en fait non. On le fait en quelques minutes en fait. Surtout si on le connaît déjà. Et ce qui va être chiant en fait, c'est une fois qu'on aura passé la porte derrière le coffre. C'est là que ça va être horrible. Parce qu'il y a beaucoup de mecs en armure.
On est presque full vie, donc ça passe, je trouve. Hop là, voilà. On est déjà à 15 minutes de vidéo, ça passe vite. Le temps qu'on fasse le donjon, on sera à 20 minutes. Voilà. C'est là qu'il faut dépêcher. Pas rester là. Voilà. On se casse. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. On allume le tout. On passe par là. Et on se casse. On les a bien eu, hein. Et on monte maintenant. Et donc arriver à l'étage. Aïe. Chiant parce que pour l'instant je peux rien leur faire en fait. Quatre boutons, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. J'étais cette salle. On y est presque. Ah, enfoiré. Dormi. C'est fait. J'essaie de pas me faire toucher parce que... Ah, j'ai pas beaucoup de vie. Bon, on est full vie et tout. On peut y aller. Voilà. Et là le boss, on va le ridiculiser. Voilà. Boum. C'était facile. Et voilà. Comment dire, on l'a ridiculisé. Ouais, c'est ça. On l'a ridiculisé. On est déjà à 419 rubis. Tu as gagné le pendentif du courage. Apporte-le à charge. Ça sera là. Pardon. Il reste encore deux pendentifs. Il y en a 5 cœurs. On va aller le voir. Et ensuite, on se laissera. Je pense que c'est mon plan. Hop. Oh, tu as le pendentif du courage. Aussi vais-je t'en dire plus sur la légende. Il y a longtemps, un ordre de chevaliers protégeait le royaume d'Hyrule. Ces chevaliers étaient aussi les gardiens du pendentif du courage. Malheureusement, la plupart d'entre eux furent tués pendant la grande guerre contre le démon qui éclata. Quand les sept sages créèrent leur sceau, les descendants des chevaliers d'Hyrule, un héros dont doit surgir. Bien, Inuchi, j'ai foi en toi, tu devrais récupérer les autres pendentifs. Prends cela avec toi. C'est un trésor qui s'est transmis par les familles des sept sages. Je veux qu'elle soit tienne. Oh. Il t'a donné les bottes de Pégase. Maintenant, tu peux lancer une attaque éclair dévastatrice. Maintiens le bouton R à pied un court instant. Un nouveau trésor est caché dans la grotte à l'est du lac Ilia. Va le chercher. Parfait. Bref, on va se laisser là pour cet épisode. Pas piquer des hâtons. Voilà.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à balancer le petit pouce vers des familles, à vous abonner à la chaîne, sans oublier la cloche, pour recevoir une notification, tout ça, et à partager un maximum. Voilà. Sur ce, c'était Inouchi. Bye tout le monde.